Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, il y a déjà plus d'un mois que nous nous sommes quittés. Je veux par ces moyens techniques vous joindre dans vos familles pour partager avec vous ce troisième dimanche de carême. Nous voulons par cette démarche penser que nous sommes en communion de cœur et d'esprit. Nous voulons par ce moyen de communication vous rejoindre, prier avec vous, partager la parole de Dieu avec vous et aussi vous nourrir spirituellement du corps du Christ. Nous demandons à ce Jésus que nous avons proclamé comme Seigneur ressuscité des morts qu'il vienne éclairer nos vies durant ce moment de confinement. Ouvrons notre cœur pour accueillir sa miséricorde et demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Proclamons notre joie, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul le Très-Haut Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Nous portons dans notre Eucharistie tous les défunts qui nous ont quittés durant ce temps de confinement, tous ces morts disséminés à travers le monde. Que le Seigneur les accueille. Prions le Seigneur. Garde à ton peuple sa joie, Seigneur, toi qui refais ses forces de sa jeunesse. Tu nous as rendu la dignité de fils de Dieu. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, nous allons écouter les lectures qui nous ont été proposées durant ce troisième dimanche de Pâques. Lecture du livre des apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et leur fit cette déclaration. Vous, Juifs, et vous tous qui résidez à Jérusalem, sachez bien ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Il s'agit de Jésus le Nazaréen, homme que Dieu a accrédité auprès de vous, en accomplissant par lui des miracles, des prodiges et des signes au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein bien arrêté et la préscience de Dieu, vous l'avez supprimé, en le clouant sur le bois par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des douleurs de la mort, car il n'était pas possible qu'elle le retienne en son pouvoir. En effet,
C'est de lui que parle David dans le psaume. Je voyais le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. C'est pourquoi mon cœur est en fête et ma langue exulte de joie. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance. Tu ne peux m'abandonner au séjour des morts, ni laisser ton fidèle voir la corruption. Tu m'as appris des chemins de vie, tu me rempliras d'allégresse par ta présence. Frère, il est permis de vous dire avec assurance au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son tombeau est encore aujourd'hui chez nous. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait juré de faire asseoir sur son trône un homme issu de lui. Il a vu d'avance la résurrection du Christ, dont il a parlé ainsi. Il n'a pas été abandonné à la mort et sa chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous tous, nous en sommes témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui était promis et il l'a répandu sur nous, ainsi que vous le voyez et l'entendez. Parole du Seigneur. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Garde-moi, mon Dieu. J'ai fait de toi mon refuge. J'ai dit au Seigneur, tu es mon Dieu. Seigneur, ton partage est ma coupe. De lui dépend mon sort. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est ma droite, je suis inébranlable. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Mon cœur exulte, mon âme est en fête. En chair, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant la face débordant de joie, à ta droite éternité de délices. Tu m'apprends, Seigneur, le chemin de la vie. Écoutons la deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous invoquez comme Père celui qui juge impartialement, chacun selon son œuvre, vivez donc dans la crainte de Dieu. Pendant le temps où vous résidez ici-bas, en étranger, vous le savez, ce n'est pas par des biens corruptibles, l'argent ou l'or, que vous avez été rachetés de la conduite superficielle héritée de vos pères, mais c'est par un sang précieux, celui d'un agneau sans défaut et sans tache, le Christ. Dès avant la fondation du monde, Dieu l'avait désigné d'avance et il l'a manifesté à la fin des temps à cause de vous. C'est bien par lui que vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il lui a donné la gloire. Ainsi, vous mettez votre foi et votre espérance en Dieu. Parole du Seigneur. Et maintenant, acclamons la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, ouvre-nous les Écritures, que notre cœur devienne brûlant tandis que tu nous parles.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le même jour, c'est-à-dire le premier jour de la semaine, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient encore entre eux ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors, ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit, « Quels événements ?» Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète, puissant par les actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que passe depuis que c'est arrivé. » Alors, avait dit, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Alors, sont venues nous dire qu'elles avaient même une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comment votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit? Ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? » Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village, où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, et le soir approche, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le redonna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils reconnurent, mais il disparut à leurs yeux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait aux Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, tandis qu'ils parlaient et discutaient entre eux, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Frères et sœurs bien-aimés, loin dans vos familles, je viens en ce troisième dimanche partager ce confinement avec vous. Et vivre ce dimanche.
Dimanche dernier, c'était Saint Thomas qui voulait voir, toucher Jésus. Pourquoi? Et après l'avoir fait, il passera de la croyance à la foi. Mon Seigneur et mon Dieu, s'exclame-t-il. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, lui répond Jésus. Foi et confiance totale en Jésus, dont fait preuve Saint Thomas dimanche dernier. Et cela doit nous donner un exemple vivant pour vivre ce temps de confinement, la foi et la confiance en Dieu. Aujourd'hui, c'est au tour de deux disciples d'Emmaüs qui, devant tout ce qui s'est passé le vendredi saint, ont perdu tout espoir et quittant la ville de Jérusalem, découragés et même révoltés contre les grands prêtres qui ont crucifié celui en qui ils avaient mis toute leur confiance. Pourtant, une rumeur fait état d'événements troublants. Le corps de Jésus a disparu. Cette ville qui a anéanti leur espoir. Et voilà que sur leur route vers Emmaüs, ils vont faire la rencontre d'un inconnu qui vient partager leurs préoccupations. Cet inconnu ne se fait pas connaître, ne se présente pas, il se contente seulement de les écouter. Ils se livrent à lui, faisant part de leur détresse. Cet inconnu prend le temps de les écouter, de leur parler et leur expliquer tout ce qui le concernait, ce Jésus de Nazareth, crucifié par les grands prêtres. Cet inconnu termine le partage de la parole par un autre signe, celui du partage du repas. Il a leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent Jésus ressuscité. Et à l'instant même, le ressuscité disparaît à leurs yeux. Oui, frères et sœurs, nous vivons en ce moment de confinement ce temps de l'écoute de la parole dans nos églises domestiques, nos familles. Le Christ ressuscité est présent au milieu de nous. Il nous nourrit de sa parole que nous partageons en famille, avec les enfants, avec les frères, avec les sœurs, avec les maris, les épouses. Il nous nourrira bientôt de son corps eucharistique dans notre église paroissiale. Gardons cette joie comme les deux disciples d'Emmaüs. Gardons cette joie et témoignons-la dans nos familles, églises domestiques. Les deux disciples d'Emmaüs passent du doute à la foi, du découragement à l'espérance et de la fuite à la mission. Doute, foi, découragement, espérance, fuite et mission. Ils bravent la nuit pour retourner à Jérusalem en vue de partager ce qu'ils ont entendu et vu. Ils ont vu le ressuscité partageant le repas. Le ressuscité est vivant. Il leur a parlé. Il leur a expliqué les Écritures. Il leur a partagé le pain comme il avait fait le jeudi saint. Ainsi, quand ils ont fait le récit de ce qu'ils ont vu et entendu, les autres disciples racontent aussi que Jésus ressuscité leur est apparu. Il est vivant. La joie des apôtres, c'est cette joie qui nous anime aujourd'hui. Et nous, frères et sœurs, quel sera notre Emmaüs? Quel sera notre Emmaüs pour rencontrer le Christ ressuscité? Notre Emmaüs, ce sont nos familles en ce moment de confinement où le Christ nous rejoint pour nous nourrir de sa parole
en attendant de le nourrir bientôt de son corps dans notre église paroissiale. Notre Emmaüs sera le lien que nous maintenons entre nous à travers le téléphone, un coup de téléphone donné à une personne, à une autre. C'est déjà Emmaüs parce que nous transmettons cette joie aux autres. Notre Emmaüs, c'est de témoigner de la joie de Pâques malgré la situation difficile que nous traversons. En donnant aux autres des signes d'espérance. Avec les disciples d'Emmaüs, soyons les uns pour les autres les témoins de ce grand mystère d'amour, la mort et la résurrection du Christ, fondement de notre foi chrétienne. Même si nous sommes loin des uns des autres actuellement, nous sommes en communion spirituellement les uns des autres à travers la lecture de la parole de Dieu. Annonçons ce mystère d'amour à tous ceux et celles qui doutent de ce grand mystère, source et sommet de notre foi. Alors, même confinés, nous pouvons le faire et le partager cette foi, cette confiance. Christ est vraiment ressuscité. Il est vivant, comme il nous l'a dit. Gardons cette confiance et cette foi en cette période difficile. Ne baissons pas les bras, car la lumière du Christ ressuscité brille et brillera pour nous. Il est là, il est présent au milieu de nous pour les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, frères et sœurs, proclamons notre foi au Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce-Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, et le troisième jour, est résidé entre les morts et qui est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois à l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, nous présentons au Seigneur nos intentions de prière. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route? Nous te prions, Seigneur, pour qu'à l'image des apôtres, nous poursuivions inlassablement notre mission d'annoncer ton amour au monde. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. En ce dimanche du temps pascal, Seigneur, nous te prions pour que notre joie d'être chrétien et baptisé soit profonde et résonne autour de nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Seigneur, nous te prions pour notre monde, qu'en cette période de profonde inquiétude, le message de ta résurrection offre au monde une espérance nouvelle. Que le désir de faire grandir la paix et la solidarité entre les hommes devienne une évidence pour chacun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur,
nous te prions pour nos dirigeants. En cette période de pandémie, qu'ils aient conscience que nous partageons une maison commune et qu'ils veillent au bien de tous les peuples et surtout des plus fragiles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te confions Denise, Gérard et Jacques, qui nous ont quittés cette semaine. Qu'auprès de toi, ils continuent d'annoncer comme les disciples ta bonne nouvelle. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions le Seigneur. Seigneur, la résurrection du Christ est source d'espérance. Daigne la révéler à ceux et à celles qui ne croient plus en l'avenir et en la vie. Nous te le supplions. Nous t'en supplions, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. En cette période de confinement, les paroisses restent actives. Les églises sont ouvertes pour permettre le recueillement. Les prêtres continuent à proposer des messes, des méditations, des accompagnements en ligne, mais aussi à célébrer les obsèques et accompagner les plus fragiles. Même si nous ne pouvons pas être présents physiquement à la messe, la quête est possible, parce qu'elle reste toujours aussi indispensable et nécessaire pour que nos paroisses puissent encore et toujours annoncer la bonne nouvelle. N'hésitez pas à donner. Rappelons-nous que la quête est un geste de solidarité et de communion des catholiques pour la vie de leur paroisse et un geste liturgique au moment de l'offrande du pain et du vin à la messe. C'est aussi une ressource vitale pour la paroisse. L'application La Quête sur smartphone nous permet de participer à l'offrande de messe à distance et de continuer ainsi à soutenir nos paroisses. Disponible sur Android et iOS, cette application est simple, facile d'utilisation et sécurisée. Toutes les paroisses du Vasoise y sont référencées. Il suffit de télécharger et de faire un don. Même à distance, la quête est un geste simple, efficace et plein de sens. Tu es béni, Dieu nouvelle, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu nouvelle, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine de si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe,
De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, ô Seigneur, aussi, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de tous nos parents et amis défunts de nos familles, les défunts de ce groupement paroissial, ceux que nous avons accompagnés cette semaine, Gérard Dalby, Denise, Jacques. Nous te confions aussi les défunts, le petit Louis, de ceux qui sont terminés dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur vous tous qui êtes réunis dans vos familles, nous implorons ta bonté sur chacun et chacune d'entre vous. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres Saint Germain, notre Saint Patron, et qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En communion avec vous, chacun de vous dans vos familles, en communion les uns les autres, disons ensemble cette prière que nous réciterons bientôt dans cette église paroissiale. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Délivre-nous tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rase-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui tout cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et vienne vous visiter dans vos familles. Amen. La paix du Christ à tous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Vous êtes venu prendre le corps du Christ.
Prions encore le Seigneur. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse, toi qui nous as destinés à connaître ta gloire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Esprit Saint. Allons dans la paix du Christ. Alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Bon dimanche à vous tous et bonne continuation. Que le Seigneur nous garde unis dans la prière. Amen.